Bonjour, je suis Julien de la société Tersen. Avec mon associé Mathieu, nous avons créé la société en 2015. Nous sommes spécialisés dans la commercialisation de lombricompost sous forme solide et liquide à destination des professionnels du monde végétal. Nous nous trouvons actuellement au sein de l'écurie de préparation de chevaux de course chez David Lumet, site où les vers vont dégrader le fumier récolté sur place et le transformer en lombricompost. On se retrouve au cœur de la production de lombricompost. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sous bâtiment, ce qui est d'ailleurs la particularité de l'entreprise Tersen et du lombricompost Tersen, puisque nous travaillons sous abri. C'est ici donc que les vers élevés vont transformer le fumier, comme vous pouvez le voir, en lombricompost sous forme solide et liquide. Le lombricompost, solution naturelle, possède de nombreux atouts techniques, tels que la stimulation du système racinaire. La présence forte de silice va améliorer la photosynthèse, la dureté du végétal, mais aussi d'un point de vue agronomique, l'oxygénation des sols. Le lombricompost nous offre une grande diversité biologique. D'ailleurs, nos récentes analyses nous montrent l'omniprésence de bactéries, de protozoaires, de phages et de toute autre famille d'éléments vivants. Enfin, il met à disposition des plantes, et ce de façon naturelle, simple et efficace, des éléments tels que les oligos, les minéraux et les acides aminés. Nos solutions Tersen sont très polyvalentes et adaptées à tout type de culture. Pour ce qui est de Tersen solide, nous allons avoir différentes possibilités de l'utiliser, en plein ou au plus près de la racine, en préparation de sol ou bien en cours de culture. Concernant Tersen liquide, on l'utilisera au rythme des traitements foliaires ou bien dans un système de fertirrigation par le système, donc goutte à goutte. Type d'activité. Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d'usage selon vos cultures. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone, et nous vous disons à très bientôt.